Une belle manifestation, tout plusieurs l'autre côté dans le pays a gagné pour nous retourner sur ça. Donc, est-ce que c'est l'opposition ou bien c'est un sentiment de ras-le-bol qui même dépassait Jovenel Moïse? Jovenel Moïse à la tête d'un système, mais système ça, il gagne des ramifications peut-être encore plus fortes que Jovenel Moïse pour diable lui. Alors, société a vraiment exprimé un sentiment de ras-le-bol dans tout pays au monde. L'État vle dit un bagay. Même pouvoir, discours t'a obligé changer par rapport à sa loi là, parce que, mes amis, nous toujours ap di, représentant pouvoir yo, qui vient dans l'émission si là, faut que nous, même si peut-être nous pas d'accord avec ça, en majorité ap di, mais nous pas tenu compte de lui. Et si nous avons un discours que nous avons véhiculé depuis longtemps, nous avons un résultat, c'est sale dans la rue, il faut que nous ajustions. Nous pas qu'à après dire les mêmes choses, tant que le président Jovenel Moïse a un mandat pour 5 ans, ça on le savait. Et quoi, malgré nous te connaissons, nous avons ça baille. Nous avons dit, c'est dialogue, qui c'est la solution, crise là. Nous avons un résultat. Nous fait comme groupe deal pour nous tous. Résultat, nous well dans la rue. Donc, moi, pensez, faut nous gon l'autre approche de réalité. Et chaque le, nous prend pause, négliger, oublier, mépriser, occulter réalité, ça, eh ben, li tourne plus fort encore dans figure. La preuve, président Jovenel Moïse, t'es fait face à, d'accord, dit, grosseur mouvement de protestation, ça, li sorti, li prend la parole, li sacrifie un gouvernement qui t'est ratifié dans la chambre députée, l'aime dit sacrifié, entre guillemets, puisque nous connaissons non démocratie fonctionnelle, un président pas qu'à révoquer un gouvernement, que lui-même, lui saute, lui déjà prend un arrêté pour le publier dans le journal officiel de Moniteur pour le dire, c'est lui-même qui souhaitait que prenne un pays. Bon, tout ça, au fait, nous, ouais, dans même demain, si Dieu veut, peuple a levé pi mauvais, pi fâché, et li prend la rue en masse. Et quand groupe, d'accord, dit structure ça, qui regroupait l'ensemble des diplomates, l'ensemble des ambassadeurs des pays occidentaux qui en Haïti, accrédités en Haïti, ils font tentative, pas qu'à dire maladroite, puisque ils ont pas dit carrément pour Jovenel Rété, mais seulement ils ont parlé de dialogue. Et nous, ouais, réponse là, mais comment le vini hier. Donc, mes amis, nous devons réajuster discours nous. Faut que nous pas prenne peuple là pour des canards sauvages. L'el sauti, j'en sauti à pour l'exprimer frustration. Nous pas qu'à faire comme si de rien n'était. Et puis, ainsi va la République. Et demain, et toute bagaille normale, t'as qu'on rien pas de passer. Ça, pas qu'à rire comme ça. L'el nous fait ça, nous augmenter colère peuple là. Alors, nous remercions tous les amis qui avaient pour ramasser cela, nous remercier, inviter nous yo déjà qu'après le faire pour yo faire gros sacrifice pour yo arriver très tôt si tout est cas là 9h matin nous tape content. Merci pour fidélité. Alors, actualité à nous dit li dominé par cette gigantesque manifestation, vraiment, nous pas gain chiffre pour nous évaluer. C'était une marée humaine. Nous, ouais, en pile, le journal parlait de ça. Nouvelliste parlait de ça, marée humaine, même amiral, puisque crise là, les vins prend l'autre dimension et en pile médias internationaux. En pile médias américains, canadiens, tout partout a écrit sous lit sous ça ouais dans la rue, pas gagné caché péché toute bagaille et dehors. Alors hier avant de venir dans l'émission intersection, moi t'ai dit comme moi pas gagne chance pour mal garder ça qu'a gagne dans manifestation puisque dans moment ça m'a pas obligé dans micro pour intersection, moi t'ai rendre moi dans carrefour à l'aéroport, il était vers 10h30 11h. Déjà ça m'était ouais, moi t'ai dit manifestation ça semblait la dépasser tout ça m'ouais déjà, que ce soit 17 octobre, et que ce soit, 18 novembre, tout ça m'était ouais,
m'pensais que manifestation ça a dépassé les deux fêtes, moi pas de gagné, m'pas de et puisque pendant la fait émission hein, avec ça collaborateur qui était dans la rue après rapporté et nous t'a regardé, il est vrai, faut nous féliciter le télépacifique tout qui était live, qui était en direct, qui t'a baillé. Donc c'était une marée humaine difficile pour son tête manifestation pour recul, et ceci même si ou t'es monté sous tête ton camion, la difficile pour recul parce que t'es grand pile monde et l'on a regardé route de l'aéroport, on nous dit carrément, pour moi, me penser, c'est route qui pillage que nous gagnons dans le pays, a. Donc, si, ou plein, route aéroport, dans Jean le plein, et puis pour pas qu'à que manifestation, hein, ça, déjà, dit ou yon bagay. Et pour nous illustrer, on nous dit, par exemple, hier, pendant t'as fait interview avec André Michel, qui dit le fait criver dans Kafou aéroport, parce que, l'était gon branche, l'était la dame qui t'a sauté, qui t'a sorti Pétionville. Donc, certainement, foule la tête tellement dense dans Kafoua ou pour que ou pas de katan toute branche qui t'a privé, que, yo t'es démarré sans on série de branches pour te corriver. Et André Dine, l'est arrivé dans Kafoua ou pas pour ça l'ouais. Alors, pendant la palène, lui dit, moun li ouais dans Kafoua ou pas, moi dit André, un bel 13 ans retard, puisque tête foule ça à la palé, à l'guintan, m'a y gâté, puisque, la police, à travers six mots, t'es monté en cordon de sécurité à l'entrée de Titron sont passés devant l'aéroport là, parce que yo t'es vle que manifestation en fait tout droit saute toi main pour le poursuivre Maï Gaté pour la juger à la bataille et non pour le défaire Titron sont t'as pas le menen devant base Ménégis l'en bien facile, non. La police pas de vle ça, et nous comprendre, nous pas de contester ça tout, parce que la police font bagaille qui correct, faut nous dire, parce que dans tout pays du monde, et devant aéroport, son bagaille qui, en zone qui stérile, pour la raison bien simple, même si on prend disposition pour empêcher moun, t'as rentré dans petit espace qui devant aéroport là, ou pas une garantie, ou après ici, d'autant que tellement gain de monde et si gain wash qui voyait, donc l'ité capral exposé et d'a cap dit monde touriste cap venir ou bien ça cap aller etc. Et pourquoi pas même sous piste là peut-être que wash t'est ca arrivé etc. Donc zone ça c'est deux zones stériles, nous t'es d'accord à la police et nous t'es conseillé foule là pas fait trop tentative pour y passer parce que zone là effectivement mérité protection. Et de fait, foule la quitte déjà, son manifestation très pacifique, il y a quelques petits incidents, mais là, il y a volume moun sa yo pour gérer, la difficile pour pas gagner petit incident du tout. Alors, t'es gagné quelques petits incidents, mais qui très isolés. Premier incident, c'est d'ailleurs dans Kafou aéroport, gagné quelques manifestants, et que moun yo t'es isolé rapidement, t'es voyé quelques wash en direction de sous-commissariat dans Kafou aéroport, ça t'es la cause gaz t'es voyé. Là, nous comprendre, c'est pas de faute la police. Oui, le train a passé à l'heure, faut nous gagner courage pour nous dire passer à l'heure, même si ces derniers temps, dans dernière manifestation, nous critiquons en pile, mais ça, nous comprendre si et des manifestants mal intentionnés voyaient wash sous commissariat, il était presque normal que tu aies une réaction pour te disperser, mon yo. Mais, il en fallait beaucoup plus pour décourager foule ça que nous t'étions, parce que moun yo t'est déterminé, malgré gaz, yo fonti dispersé, mais yo rassemblé rapidement encore, parce que j'en t'étions, pas grand rien, ni la pluie, ni rien, ni balle, pas t'ap fè yo, pas fait trajet que yo t'es gain fait. Deuxième petit incident, c'est j'en m'zoulant, à l'entrée du tronçon de, qui mène devant aéroport directement. Et ben là, gagnait des manifestants qui étaient trouvés que parcours la police voulait au faire pour loger et longer toute route, toute Maï Gaté pour aller passer et Gérald Bataille et virer Claircine. Ils étaient trouvés là, c'est long.
yo te vle passer devant airport là gagne qui voye wash sous simo qui t'est répliqué et par gaz lacrymogène on l'autre petit incident et puis encore et là arrivé Claircine la police tout te prend des dispositions pour te empêcher que toute foule la net pas arrivé devant base là et bon là encore en pile gaz voyé et gagné et des hôpitaux on l'hôpital qui dans zone là qui était obligé lan son SOS parce qu'il y a monde qui en dedans l'hôpital là qui était suffoqué en bas gaz et gen quelques moun qui étaient des journalistes tout nous déplorer ça des confrères consœurs qui étaient passé mauvais moment nan mais la police là té gon un incident sérieux mais dans l'ensemble il faut dire que bagay la pas trop mal passé la police té gon comportement m'envidi qui un petit peu correct même si gen quelques petits dérapages on te dit mais la police té globalement pour nous bien comporté dans manifestation ici là qui déroulé hier moi dis son manifestation c'est du jamais vu moi te ouais en pile tweet de journalistes étrangers notamment Amélie Baron qui te dit ça c'est du jamais vu et Léo Vindin branche cité soleil pour courriver m'te dit finalement on dit gain les faut nous font annonce pour nous dire moun ki la kayo quand vivini pito yo pa vini encore parce que te gen trop pa gen place. Merci Lovensky, pas ta bien place. Et faut me dire que moi pas contenté, l'homme t'est passé dans Carrefour aéroport pour me à l'observer foule là, moi t'a regardé dans plusieurs zones et avoisinantes, par exemple Malbelair, Malé, Delma 2, descend en bas naturellement avec un route blanche nette. Mais toutes zones ça yo et c'est ça que t'es fait me penser que son en manifestation sans précédent historique qui pral gagner toute zone ça yon passé yo t'es barricadé pas de gain moyen pour me traverser vin la ville barricadé mais toute zone ça yo chargé moun tennis et nan pied yo ça veut dire gagne des signes qui montre au côté au pralé des tennis nan pied yo ça gagne mouchoir mari tête yo etc protéger du soleil moi ouais chargé moun qui pral nan kafoua ou pour chaque côté de passé nous dit bon définitivement et puis te gon branche qui te gagne Saint-Antoine-Nel Cassi tout qui se démarre Chan Mas depuis Chan Mas li sorti à des milliers moun André Michel qui t'a quitté Pétionville c'était milliers moun qui t'en ensemble avec tout Ronnie Colin Dera tout monde ça t'a saute la plaine c'est des milliers moun qui t'ai déjà accompagné donc nous te gagné manifestation que nous ouais que nous vivons dans le pays hier. Et ça, c'était Port-au-Prince. Port-au-Prince, mais en pile l'autre région, tant que nous parlons de tourner sur l'Itou, t'es gagné marée humaine, et que nous t'as parlé à, notamment au Cap, bien que au Cap, faut nous déplorer le fait, que, dont on manifeste, bon, pas même en manifestant, puisque son, on dame, 65 ans, il est le Carole Jasmin, qui t'es saut acheté, petit cola, petit breuvage, poule, t'es maintenant ti ba li pou le vendre malheureusement li recevoir un balle pendant la traversée et manifestant yo dit c'est Udmo et c'est des agents de l'Udmo qui fait zak sa dame sa qui mouri qui te quatre petites li malheureusement kasa yo c'est des cas et qui rivait trop souvent mais nous comprendre que faut qu'il y ait des enquêtes qui menaient pour dire dans qui condition que moun sa yo et certainement yo té mouri. Alors j'en té konnen nan té gagné une délégation qui té rentré dans base là parce que toute foule là pas ka al remettre message là té gon délégation qui était rentré dans base là pour le remettre et message que ont vinn by corps groupe que reproché cap supporté pouvoir Jovenel Moïse là malgré le fait que ouais pas gain moyen et pour faire ça encore puisque
PIA lui-même lui dit cette affaire de Jovenel Moïse yo doué fini ak ça mais et qu'au groupe là qui tenu mordicus pour le supporter pouvoir alors délégation ça qui te gagné des sénateurs Nenel Kassi qui te gagné tout et de monde koué Assad Volsi Evalier Beauplan en pile l'autre encore Josué Mérilien et tout te rentré te gen député Manès Loitou Roger Milien et plusieurs autres Abel Lorestan petite Dessaline tout te dans délégation ça qui t'al remettre document ça by Nations Unies pour te fixer très clairement position yo et position foule là que yo te censé représenter dans manifestation ça. Alors lettre ça qui te adressé à Antonio Guterres, Guterres qui c'est secrétaire général l'Organisation des Nations Unies, yo dit monsieur le secrétaire général, les partis politiques, mouvements sociaux, syndicats, personnalités, regroupements et organisations populaires signataires de l'alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti vous présentent leurs compliments et ont l'avantage d'attirer votre attention sur une situation explosive qui sévit en Haïti depuis l'accession du président Jovenel Moïse au pouvoir. En effet, le pays connaît un soulèvement populaire contre le chef de l'État suite à sa mauvaise gouvernance érigée sur la corruption. La population haïtienne, dans son ensemble, toutes les couches sociales confondues, réclame la démission sans condition du président Jovenel Moïse pour les raisons suivantes. L'implication du président dans des actes de corruption tels la dilapidation des fonds Petro-Caribe suivant un rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le détournement des fonds publics à travers des entreprises fictives dans les massacres de la Saline et de Carrefour-Feuille coûtant la vie à des dizaines de civils. Le président Jovenel Moïse a organisé la prolifération des gangs armés, instrumentalisé la police nationale d'Haïti et institutionnalisé la violence à travers toute la République. L'épouse du président Martine Moïse est impliquée dans une affaire de corruption via un contrat avec la firme allemande Dermalog. De plus, lors des différentes manifestations de rue pour réclamer sa démission, le président Jovenel Moïse a ordonné une répression systématique sur de paisibles citoyens qui ne font que défendre pacifiquement leurs droits inaliénables. Il est dénombré plus d'une centaine de manifestants qui ont été assassinés, des milliers de blessés et estropiés par balles et certains arrêtés illégalement. Le pays est totalement dysfonctionnel depuis des semaines durant lesquelles les portes des entreprises publiques et privées, les banques commerciales, les écoles entre autres, sont restées fermées. Les Haïtiens demandent à cor et à cri la démission du président Jovenel Moïse. Le peuple ne le reconnaît plus en qualité de son chef d'État. Il ne dirige plus rien et n'a aucun contrôle sur le pays. Il se révèle incapable. De tout ce qui précède, nous sollicitons en votre qualité de secrétaire général des Nations Unies votre désolidarisation avec Jovenel Moïse en apportant tout votre appui au peuple haïtien qui ne jure que par la démission du président, l'organisation de la conférence nationale, la réalisation du procès Petro-Caribe et celui des massacres de la Saline, Carrefour-Feuille et Tokyo. Le pays est au bord d'une catastrophe humanitaire sans précédent. On voit poindre à l'horizon le spectre grimaçant d'une immense poudrière à la manière d'un flot mugissant capable de tout emporter sur son passage. Sachant que vous manifesterez votre sensibilité au cri du peuple haïtien qui sollicite votre support à ses revendications, les signataires de la présente vous prient de recevoir, monsieur le secrétaire général, l'expression de leur distinguée considération. C'est ça et notre ça, t'es gagné la donne que vous remettez
by et représentant Nations Unies en Haïti et moun ki siyen c'est branche institutionnelle de l'opposition sénateur Evalier Beauplan, sénateur Nenel Kassi, sénateur Yuri La Tortue, sénateur Sorel Jacinthe, sénateur Kelly Sébastien, ex-président de l'Assemblée nationale, sénateur Dieusel Simon Dera, ex-président de l'Assemblée nationale, sénateur Jean-Yvon Feuillet, ex-président de l'Assemblée nationale, député Deus Deronet en fonction, député Manès Louis en fonction, député Jean-Robert Bossé en fonction, maire Ronnie Collin en fonction, et puis maire Yuri Chevry, magistrat Port-au-Prince et Mounsa Nsayo, qui siyen l'ETSA qui a été remette by Nations Unies hier à l'issue de manifestation si la mwendou qui était gigantesque et moun yote tellement content, manifestant yote tellement content, yon de côté yon by accolade à la police, yote trouvé, j'am tap di la hier, qui était gon comportement plus ou moins respectable par rapport à des manifestations qu'on a crasé dans l'œuf sans nécessité et si hier là t'es bien passé. Alors, et bon bilan partiel que j'ai établi pour journée mobilisation hier vendredi 4 octobre là à travers tout le pays. C'est Alternative Consensuelle pour la Refondation d'Haïti qui établit, il y a dit, pour le département de l'Ouest, t'es gain deux blessés par balle hier au niveau de Carrefour, aéroport, chez les gaz là, t'es lancé. Dans le département du Nord, j'en ai sorti dit au lien, gon manifestante qui recevoit yon balle au dos et elle est décédée sur le coup, c'est dame ça, et li mouri. Il y a plusieurs blessés par balle qui recensés au Cap Haïtien. Dans le département de la Grandance, il y a 6 manifestants blessés, mais sous panneau, dis-nous, il y a 7 qui blessés, mais c'est pas une grande différence. Sous panneau, ben non, 7 blessés par balle par des mouns qui proches PHTK, escamp, yo dit, c'est escamp Corriga, c'est ça, l'opposition a dit, bon, manifestant qui recevoit un projectile dans les yeux, et, gain, yon nan maison, côté, et, bal, yo tap tiré, que population en met du feu là-dedans. Alors, moun yo dit, c'est des partisans de délégués au fait mette nan grand temps là, Jean-Claude, Bontemps qui responsable Zaxa, c'est partisan qui fait Zaxi là sous population côté Jean Zoulan, gen 7 moun qui blessé et gen yon qui particulièrement grave puisque le recevront un projectile dans yeux. En pile moun dénoncé fait ça, y compris le sénateur Sorel Jacinthe que nous t'ai gagné en ligne matin sous Kassa qui déplorait ça qui passé dans le département des NIP gagné Emmanuel Désir que aurait les mano opposition NIP qui mouri hier matin petit gouave non accident de circulation l'étape conduit en motocyclette elle était accompagnée de camarade Lee Johnny Saint-Félix alias Ti Anyen qui est fracturé gravement yo t'a pral petit gouave pour acheter l'essence pour mobilisation Miragouane non déploré Kassayo et puis dans l'autre département yo pas gain des incidents graves son grande journée de mobilisation que Alternative Landi qui réussit dans tout pays a puisque moun yo descend par des centaines de milliers dans la rue pour yo dire non à la corruption et demander la démission et l'arrestation et du président Jovenel Moïse. Et puis, jusqu'à très tard hier, moun yo te nan la rue Pétionville, Delma, côté la police te dispersé, yon foule immense qui t'a monté Pétionville par des gaz lacrymogènes au niveau de Delma 64. Plusieurs manifestants et militants étaient arrêtés par des policiers. Et au bail, immatriculation et pick-up qui te prend, yoa, c'est 1-00583 qui t'a arrêté, yo.
Et petit guave aussi, grand guave, très tard, moun yo t'es toujours dans la rue à manifester. Donc c'était une grande journée de mobilisation et l'opposition dit qu'il réussit dans tout pays a mis en balai t'es levé avec villa complètement barricadé malgré tout moun yo sorti en masse rech tout manifestation t'es gen quelques petits incidents gaz qui t'a voyé des Colina Bell qui t'en direct avec nous hier t'es signalé ça pour nous. Au Kaitou, t'es une manifestation. Gonaïve, t'es une manifestation. C'est ma, mon yo t'es sorti, pas de même, y'a la police qui t'a accompagné, mais au dit, au fin, en pile, jet de pierre sous plusieurs bâtiments publics dans la ville-là. Donc, c'est comme ça, ça t'est passé hier, dans Port-au-Prince et dans l'ensemble du pays sous, manifestation, si là. Alors, nous, n'a pas salué. Collaborateur immédiat, nous, qui est ensemble avec Lovensky, je dis, qui, à la technique, nous remercie tout. Nous remercie tout, tout l'autre, et René Antoine Lerbou, qui était là très tôt, matin, hein. Et puis, nous, là, et sous Facebook, tout, merci, nous saluer designer, et qui toujours habille tout, et Jamesy Collection, que vous connectez dans Will Espinas. Nous, on salutation spéciale, Lovensky, pour Étienne Elenor. Jodi a c'est anniversaire naissance Étienne Elenor, et photographe nous, Étienne, bonne fête. Et puis, on salutation tout, toujours spéciale, à tout un séant, yo. Jodi a pas oublié, c'est la journée des enseignants. Donc, nous saluer tout enseignant, yo. Et puis, nous avons un petit mot particulier pour Magella Illis, qui, aux États-Unis, mais qui perdu maman, qui gagne pour le rentrer, pour funérailles mamani, et qu'a fait mercredi prochain, moi supposé, c'est quand même non arcaïen que ma, et funérailles ça a fait pour maman Illis et Magella, qui mourit et, ok. En tout cas, non, semblait c'est papal. Excusez-moi, c'est papal, c'est pas maman. Enterrement, la rentrée mercredi, mais enterrement, c'est vendredi matin, 9h. C'est l'accident Ulysse, mon papa et Magella, qui mourit. Donc, journée mondiale des enseignants, salutations. Pour tous les enseignants, Gary Desrosiers, où qu'on est, où qu'on bilan la police pour présenter pour nous. Mais c'est pas dans un moment ça, tout de suite qu'on a fait Gary relé un petit peu après. C'est pas tout de suite n'a pas pris bilan. Et mes manifestations, yo, fait en pile et mouvement de lever campé qui gagne un pays a fait en pile victime et RNDDH est invité autorité pour respecter les droits fondamentaux du peuple haïtien, puisque nous connaissons en pile instance internationale, même sénateur Sanders, et déploré le fait que la police ait un comportement excessif dans la manifestation, on a réprimé manifestation, et on déploré plusieurs instances internationales parler de ça, même d'où hier, ça pas de pis mal, et RNDDH dénoncé pour manifestation passée, yo. Certainement bilan ça a pas pris en compte journée hier là. Lio dit yo alarmé par la situation insurrectionnelle qui sévit en Haïti depuis le 16 septembre 2019. Le réseau national de défense des droits humains présente un bilan non exhaustif des faits enregistrés à travers le pays.
Cette situation caractérisée par la paralysie totale des activités socio-économiques, la léthargie des institutions étatiques et la tenue de plusieurs manifestations antigouvernementales représente la résultante des politiques publiques mises en œuvre par les autorités actuelles. Celles-ci, depuis leur avènement au pouvoir, bafouent les acquis démocratiques du peuple haïtien et violent systématiquement ses droits. Elles n'ont jamais pris au sérieux les différents mouvements de protestation réalisés dans le pays depuis juillet 2018 par une population en proie à tous les maux et qui réclame la jouissance de ses droits civils, économiques, politiques et sociaux. Le RNDDH condamne les tirs à hauteur d'homme, les brutalités policières, l'utilisation abusive du gaz lacrymogène par les agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO et de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO, notamment les 27 et 30 septembre 2019 et tout autre acte de répression enregistré au cours de ces derniers jours. Pour la période allant du 16 au 30 septembre 2019, au moins 17 personnes ont été tuées, dont 15 par balle, une par asphyxie et une autre par accident. Un véhicule a heurté une écolière qui se trouvait dans les parades d'une barricade érigée par des protestataires à Port-Aiguep, à Saint-Marc. Parmi les victimes tuées par balle, 9 ont été recensées dans les départements du Nord, dont 6 d'entre elles au Cap-Haïtien. Les 3 autres victimes ont été recensées à Limbé. Elles ont été tuées le 30 septembre 2019. C'est Yo que Johnson François soit à parler de Yo là, Limbé. Et là, c'est pas la même manifestation gain, entendez, que bon citoyen, et qui sont son magistrat, qui dégainait, qui tirait la mandé en pile enquête tout. De plus, au moins 189 autres personnes ont été blessées, dont 17 par balle et 72 par arme blanche, par des pierres et par des bouteilles. Parmi ces victimes, gagnent 46 qui recensés dans le Nord, dont 21 blessés et le 27 septembre 2019. Le 27 septembre 2019. Elle se trouvait à Rampoint Samarie, ou en point Samarie, et se préparait à prendre part à une manifestation anti-gouvernementale lorsque tôt dans la matinée de ce jour, elles ont été attaquées par l'armée pro-gouvernementale Agis Vite. RNDDH présentait tableau complet de toutes Zaxayo pendant cette période. Au moins 6 journalistes ont été physiquement agressés par des individus armés, parmi eux 3 ont été attaqués à Jacmel, 1 à Carrefour, 1 à Port-au-Prince, un autre à Delma. Un véhicule de la station Radio Télémétropole a essuyé des jets de pierre à Delma et plusieurs maisons privées ont été attaquées, dont une à Pétionville, appartenant à la mère de la journaliste Liliane Pierre-Paul de Radio Quisqueya. De nombreuses entreprises, dont des maisons de commerce ainsi que des véhicules, ont été vandalisées et ou incendiées à Delma et à Pétionville. Dans certains endroits, des passantes et des conducteurs conductrices d'automobiles ont été systématiquement fouillés. Certains ont été obligés de verser un droit de passage à des individus se réclamant du mouvement de protestation. De plus, plusieurs institutions publiques ont été incendiées par les manifestants tels que des établissements scolaires. Rien que pour la période allant du 27 au 30 septembre 2019, pas moins de 5 commissariats ont été attaqués par des manifestants, 4 le 27 septembre 2019 et l'autre le 30 septembre 2019. Le 27 septembre 2019, la base de l'unité départementale de maintien d'ordre et UDMO située sur la route 9 dans la commune de Cité-Soleil a été attaquée par des manifestants. Ils ont pillé et vandalisé le bâtiment avant d'y mettre le feu. Et le sous-commissariat de Fraissino, dans la commune de Saint-Marc, a été attaqué par des manifestants qui ont incendié un véhicule et emporté des armes à feu et des uniformes de police qui s'y trouvaient. Alors, dans le cas, Cité-Soleil, là, pour base, UDMOA, faut nous dire que population a été fait un bel geste, y a été retourné matériel, yo, by la police, et y a été fait ça ensemble avec policiers.
Le sous-commissariat des quatre chemins dans la ville des Cayes a été attaqué par des manifestants qui l'ont vandalisé avant de mettre le feu au bâtiment. Le sous-commissariat de la commune de Thomond a été pris pour cible par des manifestants qui ont incendié trois véhicules, dont un appartement à l'institution policière. À ne pas oublier tout. Et commissariat comment on a arrêté dans le département du Sud-Est, Slovensky, et commune Marigot, oui, Marigot, gain véhicule, la police a été attaqué commissariat, et police était obligé de courir, parce que gagnent yon citoyen que yote qui te mouri et yote pote cadavre là, yo vlopé avec drapeau national la mette devant commissariat, parce que c'est policier dans commissariat moun yo di qui te fait. Et puis gagnent le 30 septembre 2019, c'est là la population de Marigot qui incendiait le commissariat de Marigot ainsi qu'un véhicule appartenant à l'institution policière. Cet incident fait suite au décès par balle d'un manifestant qui tentait d'ériger une barricade de pneumatiques enflammée. Ce manifestant a été tué par un agent de la police. Le RNDDH note l'appel au dialogue lancé par le président de la République, Jovenel Moïse, dès les premières heures du 25 septembre 2019, soit à 2h du matin, et constate que ce dernier a lui-même présenté un gouvernement d'union nationale comme l'issue de ce dialogue non encore initié. Cette attitude témoigne du fait que le président s'évertue à réduire les différents problèmes d'insécurité, de logement, d'accès à la santé, d'exclusion, de chômage, de pauvreté extrême, de corruption au sein de l'appareil étatique et d'impunité auquel le pays est confronté à un simple partage de postes gouvernementaux. Ce faisant, le président a lui-même attisé, encore une fois, la colère du peuple haïtien, l'invitant ainsi à rester dans les rues. Par ailleurs, le RNDDH note que depuis quelque temps, des individus armés, partisans du pouvoir, prennent part activement aux opérations policières. Ils ont été engagés pour mater les manifestations antigouvernementales et gravitent notamment autour des délégués départementaux récemment nommés par le président Jovenel Moïse. À titre d'exemple, le RNDDH voit une photo qu'a publiée effectivement sur tous les réseaux sociaux côté nouveau délégué Noa Pierrot de Gaulle, Augustin, qui entouré d'hommes lourdement armés cap escortés. Donc, et il a accusé plusieurs autres délégués, tant que Wessao de Jérémien, ces hommes armés qui avaient qui tiraient sous foule. En outre, l'organisation signale que le fait par des policiers encagoulés d'être présents sur le parcours des manifestations laisse l'impression que les interventions sont inscrites dans une perspective de répression de la population, mais non de protection de celle-ci. Et de fait, la police nationale avant hier était bas en conférence pour te dire, dans la manifestation, il n'y a pas accepté qu'un policier encagoulé, et de plus, il n'y a pas voulu qu'un véhicule qui pague une plaque. C'est vrai, Gontier, faut que t'es fait, mais il y a quelques côtés, mais il y a toujours un cagoulé dans la tête. C'est la raison pour laquelle, afin d'éviter la détérioration de la situation, le RNDDH invite l'institution policière à tout mettre en œuvre en vue d'une part de protéger les vies et les biens et d'autre part de garantir aux citoyens et citoyennes l'exercice de leur liberté d'expression, un droit constitutionnel. La police, une institution apolitique, doit pouvoir se comporter professionnellement. Le RNDDH recommande aussi à la Direction générale de la police nationale d'Haïti de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter que des civils armés ne prennent part aux opérations policières. De plus, tous les agents de la PNH affectés à la sécurisation des manifestations doivent être facilement identifiables et clairement identifiés conformément au principe universel d'intervention policière. Parallèlement, les différents messages incitant à la violence circulant sur les réseaux sociaux portent le RNDDH à réitérer son appel à la population de ne pas se laisser prendre au jeu de la provocation et de manifester calmement et pacifiquement dans les limites de ses droits, tout en se rappelant ses devoirs. Le RNDDH estime qu'il est temps pour le président de la République d'analyser soigneusement
la situation actuelle du pays qui se détériore chaque jour en vue de prendre la décision patriotique qui s'impose, ce pour prévenir les violations. À nous reprendre phrase ça, le RNDDH estime qu'il est temps pour le président de la République d'analyser soigneusement la situation actuelle du pays qui se détériore chaque jour en vue de prendre la décision patriotique qui s'impose. Nous, tout organisme droits humains, yo parler d'une seule voix et yo mandé pour et Jovenel Moïse quitter ça, ouais, de prendre la décision patriotique qui s'impose pour prévenir les violations systématiques des droits humains, particulièrement les droits à la vie et à l'intégrité physique. Enfin, le RNDDH recommande à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti d'ouvrir une enquête sur les actes de répression perpétrés sur la population par la police, notamment par le corps d'intervention et de maintien d'ordre, CIMO, et par l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, et de prendre en conséquence les mesures qui s'imposent. Notre ça a sorti depuis le 3 octobre 2019. Donc, j'en saute d'où là, qui pas prend en compte bilan manifestation qui passait hier dans tout pays. Alors, notez, ouais, en dans notre ça, y ont dénoncé le fait que gagnait de monde qui était attaqué la maison privée de la journaliste, de la mère de la journaliste Liliane Pierre-Paul à Pétionville. Y ont bagaille que certainement noté déploré, qui pas dû arriver. Bon, même j'allais pas dû arriver sous toute l'autre, y'a tout. Et alors, et parlant de Liliane, justement, notre consoeur, ami, t'es écrit Patrick Monsignac pour te protester contre une intervention qui t'est faite dans l'émission Qui Mounouye. Et ça, il y a deux dimanches de cela que Remaret t'a animé en l'absence de Serge Pierre-Louis. Alors, bon, moi-même, moi, t'es parlé à Remaret. M'dil, Liliane, son icône nationale, son monde que nous devons gagner tout respect pour lui et Remaret, t'es juré que pas de gain attaque. Alors, pour peut-être, comme Liliane, peut-être pas t'attendre, et moi-même, tout m'pas t'attendre, donc, Remaret décidé, demain dimanche là, et, nan, qui mounouye, c'est à 1h, c'est émission ça, qu'il y a prédiffusé. Alors, m'apprends le tendre, Lili, nous encourageons au tendre le tout, pour nous, ouais, ça que t'es passé, la donne, effectivement, parce que, pour nous, Lili est intouchable. Alors, merci, merci. En pile l'autre point dans l'actualité, hein, nous pourrions c'est peut-être en condensé, Mario, parce que en pile l'autre bagaille qui lié à gros mouvement qu'a fait dans le pays à réaction de l'international par rapport à situation et insurrectionnel qui gagne un pays à Noué, même journal Le Devoir de Montréal qui est un article et d'accord dit très intéressant côté en pile moun a demandé Canada particulièrement pour yo Canada pour lâcher le président haïtien Jovenel Moïse. C'est le journal Le Devoir de Montréal qui dit la communauté internationale et le Canada en particulier seraient en train de perdre toute crédibilité en Haïti et ce, en continuant à soutenir le régime Jovenel Moïse pour une énième fois dans le début de l'année fait face à un violent mouvement d'opposition populaire. C'est ce qu'estime Solidarité Québec-Haïti qui appelle d'ailleurs Ottawa à cesser de soutenir le gouvernement en place au nom des principes démocratiques qui sont chers aux Canadiens. La corruption est infiltrée à tous les niveaux dans ce gouvernement dont l'élection en 2016 est contestée par la population, résume à l'autre bout du fil l'activiste Marie Dimanche à l'origine de ce groupe de pression qui s'est formé en février dernier. Le pays faisait alors face à une des grève générale les plus importantes de son histoire. Le scrutin de 2016, en plus d'un taux
de participation de moins de 20% est reconnu par la communauté internationale pour avoir été entaché par de nombreuses irrégularités. Alors que la rue réclame la démission du président, le Canada doit entendre cette voix et accompagner cette demande en mettant fin à sa relation avec Jovenel Moïse, affirme Madame Dimanche. Nous en appelons aux citoyens du monde. L'humanisme demande de choisir entre un peuple et un président, entre un peuple et ses bourreaux. Donc, depuis près de deux semaines, les rues de la capitale Port-au-Prince sont sous tension. Des milliers de citoyens à l'appel des partis d'opposition sont descendus et massivement pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, dont le mandat doit prendre fin en 2022. La pénurie d'essence, mais également l'augmentation de son prix, a donné du carburant à ce mouvement de contestation qui bloque l'ensemble des activités économiques et sociales. Le seul appui qu'a ce président pour le moment, c'est celui de la communauté internationale, résume le sociologue Jean-Claude Icard, directeur à l'UQAM au sein de l'Institut d'études internationales de Montréal. La révolte s'amplifie dans un contexte de plus en plus difficile et tendu, où tout peut déraper. Haïti est placé actuellement face à une situation dramatique et chaotique, a résumé l'ancien premier ministre et proche de l'actuel président Evans Paul, cité par la Associated Press. Au début de la semaine, l'homme a rencontré en privé les représentants du corps groupe des pays amis d'Haïti, dont le Canada fait partie avec la France, les États-Unis, qui, sans se prononcer sur le départ du président, ont appelé au dialogue entre les oppositions, le pouvoir en place et la société civile, a-t-il indiqué. Le climat social se dégrade continuellement en Haïti depuis janvier et la publication d'un rapport de la Cour des comptes sur le détournement des fonds du Pétro-Caribe prêtés par le Venezuela à Haïti pour assurer le développement du pays. D'anciens présidents et ministres sont ciblés par ces révélations qui font état d'infractions aux lois sur les marchés publics, de fraude fiscale, de contrats accordés sans description des travaux ni échéanciers ou de dépassement de coûts sans facture explicative. Jovenel Moïse est mouillé par ce rapport. Les grandes manifestations de février réclamaient d'ailleurs sa démission, tout comme une enquête publique. La présidence n'a acquiescé ni à l'autre, ni à l'une ni à l'autre. Politiquement, Jovenel Moïse semble dans l'impasse. Haïti n'a pas adopté de loi de finances pour un deuxième exercice fiscal de suite, ce qui empêche toute planification économique et laisse présager un bilan financier catastrophique. Ces budgets, il dit, ça fait deuxième année que pas voté. De plus, le Sénat n'a pas ratifié le choix de son nouveau premier ministre, Fritz William Michel, désigné en juillet dernier. L'homme est soupçonné d'avoir surfacturé l'État dans le cadre d'un contrat public et d'avoir acheté le vote de sénateur pour faire passer sa déclaration de politique générale. Alors, l'on a acheté sénateur 100 000 dollars. Nous pensons en Haïti, c'est tout le monde qui a parlé de ça. L'Observatoire haïtien des droits humains a exigé sa démission en rappelant dans une note publiée le 20 septembre que la corruption entrave le développement économique d'Haïti, compromet la démocratie, la justice sociale et l'état de droit. Les élections législatives prévues le 27 octobre prochain devraient être reportées faute de l'adoption d'une loi pour les encadrer. Mercredi, une vingtaine d'écrivains haïtiens, dont Anthony Phelps, Yannick Lahens et Gary Victor ont appelé le reste du monde à se préoccuper de la situation d'Haïti pour ne pas laisser Jovenel Moïse s'accrocher au pouvoir au prix du sang du peuple, de la radicalisation et de la violence répressive, expose-t-il dans une lettre publiée dans le magazine français Le Point. Nous en appelons aux citoyens du monde. L'humanisme demande de choisir entre un peuple et un président, entre un peuple et ses bourreaux. Haïti est un des pays les plus pauvres du monde.
près de 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté fixé en deçà de $2.41 par jour. Selon la Banque mondiale, l'inflation a grimpé à 19% en juillet et devrait dépasser les 20% en octobre selon les prévisions, soit un sommet depuis 2008. Cette mathématique va compliquer l'accès à des produits de base et accentuer les tensions. En 2016 et aujourd'hui, sous le régime de Jovenel Moïse, le Canada a versé 702 millions en aide à Haïti pour des projets toujours en cours, selon les données officielles du gouvernement canadien compilées par le journal Le Devoir. Le Devoir, donc, qui fait un reportage assez succinct de ça n'a vive en Haïti et qui vraiment mandé que gain yon on l'autre bagaille qui pour fête nan et pays a parce que ça n'a vive là son bagaille est impensable. Et puis gain le speaker quand j'en relais le président de la Chambre des représentants Nancy Pelosi qui était en Floride, Miami, qui rencontrait haïtien américain qui yo remet li un message pour le bail l'administration Trump à Washington. Yo dit, mais ça yo dit dans message là, les autorités américaines doivent cesser toute interférence dans les affaires internes d'Haïti. Il est temps pour le président Jovenel Moïse, rejeté par la grande majorité de la population, de remettre sa démission. Les principaux leaders haïtiens américains présents à la rencontre ont également appelé les autorités américaines à laisser les Haïtiens gouverner eux-mêmes leur pays. Apportez-nous votre soutien et cela nous suffira, ont-ils demandé dans leur message, ajoutant, nous ne voulons pas que les États-Unis, le Canada, la France et les autres nous imposent leur dictat. Nous ne voulons plus d'interférence de ces pays par le biais de leur ambassadeur à Port-au-Prince, ont-ils insisté, soulignant que l'heure est venue pour le président Jovenel Moïse de partir en raison des accusations qui pèsent contre lui dans la dilapidation de fonds du trésor public pour sa mauvaise gouvernance, des massacres et autres types de violences, dont collusion avec les gangs dans lesquels son régime est accusé d'implication. Des dizaines de morts et des centaines de blessés ont été enregistrés lors des manifestations de ces trois dernières semaines pour réclamer le départ du chef de l'État. Toutefois, les États-Unis, la France, le Canada continuent, selon l'opposition, de la forcer à dialoguer avec un pouvoir violent et corrompu. Donc, haïtien qui a rencontré Nancy Pelosi, qui est speaker, présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui était en Floride, il aurait mis un message clair, pour dire suspendre, supporter vagabond au pouvoir en Haïti, l'itan pour Jovenel Moïse quitter ça. Alors, sans pile fait, l'international en pile fait, gagnant, non songer, Jovenel Moïse, qui baille votre lit, puisque président Jovenel Moïse fait tout ça qu'à États-Unis mandel, li baille votre lit pour une intervention militaire au Venezuela, bagay ça indigné, CARICOM, qui fâché en pile, que bagay ça a fait. Antigua et Barbuda est profondément préoccupé par le fait qu'Haïti, un État membre de la CARICOM, ait voté en faveur de l'ouverture de la porte à l'invasion d'un pays, déclare le chef de la diplomatie de ce pays. Les pays de la communauté des CARICOM, à l'exception du pays de Jovenel Moïse et de Edmond Bouchit, rejettent toute intervention armée au Venezuela. Ils n'ont pas signé le document dénommé TIAR, contrairement à Haïti, le 12 septembre dernier à Washington. Jusqu'où exactement le président Jovenel Moïse compte traîner Haïti juste pour conserver un pouvoir dont il est accusé par l'opposition et des millions d'Haïtiens d'être notoirement incapables de gérer, sans budget, sans eau, sans électricité, sans emploi, un parlement dysfonctionnel, une justice en branle, une économie précaire et tout vient à manquer dans ce pays où les habitants sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est ça, CARICOM, qui offusquait
le fait que président Jovenel Moïse c'est lui seul dans CARICOM non qui baille auquel pour font intervention au Venezuela sous prétexte que président vénézuélien Maduro dans corruption etc. li mal élu faut a dit lui-même li parle dans yo tout faut que monsieur ta tout voté pour yo intervenir en Haïti tout mes amis tellement gain fait pour ta souligner jodi an et que vraiment c'est de manière expéditive que nous pral passer sous quelques faits et puis on dit tout de lundi cap vin là 7 octobre 2019 12 organisations politiques populaires dans République dominicaine pral planter piquet yo devant ambassade d'Haïti pour demander démission Jovenel Moïse. Activité ça a fait pour appuyer bataille peuple haïtien a mené pour déchouquer Jovenel Moïse dans palais national. C'est ça organisation ça yo qui écrit nous voyez dit nous que yo 12 organisations politiques et populaires en République dominicaine qui pral planter piquet yo devant ambassade d'Haïti à Washington pour yo mandé Jovenel Moïse tant pri font quitter ça pour yo trop sans couler bagay ça pas qu'à continuer encore gagner l'association des hôpitaux privés d'Haïti qui réclame le respect du périmètre des hôpitaux en pile détail parce que la police voyait trop gaz qui asphyxiait moun juste en dedans l'hôpital là yo di ba sa yo pas qu'à continuer vivre là-dedans encore oui. Et puis, en pile l'autre fait, dans l'actualité, gagnant, notamment, dans le journal, le nouveliste, gagnant, et l'écrivain, Lionel Trouillot, qui était sorti, yon lettre pour demander le corps groupe, voudrait-il un bain de sang? Il dit, j'ai entendu avec effroi le compte-rendu fait par Edmond Bozil Supplice de la rencontre de leaders politiques haïtiens avec le corps groupe. Je salue le courage de ces leaders politiques qui ont gardé la position et qui est celle de la population de l'impossibilité et du refus de tout dialogue avec Jovenel Moïse s'il n'annonce pas sa démission. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est cette prétendue position de principe qui n'est qu'une licence pour voler et tuer que des pays dits amis entendraient donner au gang Moïse PHTK s'il maintenait une telle position. Ce ne peut être qu'une mauvaise blague, écrit Lionel Trouillot. Ce n'est pas l'opposition qui ne veut pas dialoguer avec ses voleurs et ses assassins, c'est la population. L'opposition aujourd'hui, c'est ce gosse de 8 ans, Timon 8 ans ça. Jovenel, tire-toi, je veux aller à l'école. C'est cet employé de l'État qui n'aime pas la politique, mais qui crie qu'il n'avait jamais vu autant de corruption. C'est tout un chacun. C'est cette foule dans une ville du Nord qui porte sur sa tête un cercueil vide et célèbre l'enterrement symbolique du président fantôme. Ce sont ces militants sur lesquels on tire et qu'on arrête. Ce sont ces petits malins de la toile qui publient des avis de recherche du type délinquant en fuite, porte chemise rouge, se dit président, il va dire le grand tibot jaune tout, l'opposition. Ce sont ces Haïtiens qui ont fait entendre leur voix au premier ministre canadien. Ce sont ces agents de police qui sont fatigués de devoir réprimer leurs frères. Ce sont ces jeunes de toutes les origines sociales qui réclament le procès Petro-Caribe. L'opposition aujourd'hui, c'est tout le monde, sauf les quelques-uns qui profitent de la corruption et dirigent la répression. Jamais homme politique n'aura été aussi méprisé, moqué dans l'histoire de ce pays. Cet homme et son parti ont perdu toute crédibilité, tout pouvoir de convocation aux yeux des Haïtiens. Et des diplomates prendraient
sur eux de dire à ses victimes qu'elles doivent s'asseoir avec lui au nom de quoi? D'une prétendue élection à laquelle moins de 20% de la population a participé, d'une prétendue continuité institutionnelle, alors que Jovenel Moïse PHTK ont avili les institutions. Il n'y a pas de raison haïtienne pour que ce soit de digne, d'honnête, de dialoguer avec Jovenel Moïse, et ils ne le feront pas. Tout soutien à cette idée de dialogue aura pour effet de légitimer la répression et la corruption et d'entraîner encore plus de radicalisation chez la population. Et où donc étaient les amoureux des institutions quand Jovenel Moïse et son parlement croupion violaient systématiquement la Constitution, les lois de la République et les droits des citoyens? Et quel respect ont-ils pour la société civile haïtienne, les représentants des différents cultes, les associations de défense des droits humains, de professeurs d'université, les corporations, les syndicats, la jeunesse? Tout ce monde fait donc partie de l'opposition. Les Haïtiens auraient-ils perdu le droit de décider des affaires haïtiennes? Tel homme politique qui a lui aussi, à force de revirement, perdu tout pouvoir de convocation, répète la phrase apprise par cœur sur le parcours accordé aux institutions et non à la personne. Sur le support accordé aux institutions et non à la personne. Mais c'est bien de l'avilissement des institutions qu'il s'agit. Un gang s'en est accaparé et les a détruites. Il s'agit de les déloger pour qu'elles puissent renaître. Avec tout le respect que j'ai pour Madame Bozil Supplice, je ne veux pas croire ce qu'elle rapporte, que des diplomates de carrière, représentants de dite démocratie, face à une situation insurrectionnelle, ne trouvent pas mieux à penser que de demander le dialogue avec un fantoche indexé pour corruption par une institution étatique nationale et dont le gouvernement est accusé de crimes de sang comme le massacre de la Saline. Demander à ce peuple et qu'on arrête de minimiser les choses en parlant de l'opposition, de dialoguer avec Moïse PHTK, c'est contribuer à maintenir les conditions de plus d'affrontements entre la population et la police, se transformant au fur et à mesure en outil de répression politique. Je doute que les sociétés civiles des pays ayant des représentations diplomatiques en Haïti soutiendraient une telle pratique. Plus que jamais, la diaspora a un rôle à jouer pour faire connaître au monde ce qui se passe en Haïti. Un peuple qui n'en peut plus demande une transition et l'orientation du pays vers plus d'équité et d'équilibre social et la fin d'un règne de corruption, de désacralisation des institutions, et il reviendra aux citoyens des pays représentés en Haïti de demander à leurs représentants s'il est vrai que objectivement on évalue une politique à ses conséquences. Ils soutiennent une position qui ne peut conduire qu'au bain de sang. Seule la démission de Jovenel Moïse est négociable entre Haïti et Jovenel Moïse, on l'a déjà dit plusieurs fois, et la triste preuve en est faite chaque jour, la paix reviendra quand Jovenel Moïse aura démissionné. En attendant, des gens meurent. Non, ce ne peut être qu'une mauvaise blague que l'on a voulu faire à nos amis du corps groupe Antoine Lionel Trouillot, qui écrit et bel texte ça. Et merci et Lionel Trouillot, merci. Et puis gagne en pile l'autre bagaille nous pas gétant, ouais, puisque le arrivé est sous nous, mais qu'on a débattu, notamment nous saluer notre confrère et ami Dali Vallet, qui t'a écrit le grand complot, le pensée, qui est au fait sous peuple-là, sans ne pas parler de sénateur Yuri Latortue, qui écrit une lettre à président Sénat, d'a dit du moins ceux qui en restent, pour Mandel, pour l'écrit et la Cour supérieure et du contentieux administratif, pour le deal, pour le pas valider bon contrat que l'ouais, que y a pay, et bonne nomination
tête en bas que président Jovenel Moïse a fait dans l'administration publique là. Et Youri expliquait très clairement dans cette lettre ça, Jovenel Moïse pas gain ken et autorité pour le faire ça et par lui-même particulièrement non mon cap signé mon cap signé yo tant que premier ministre et Lapin que le penser qui sont mon qui démissionnaire longtemps qui démissionnait longtemps que même mandat transition que le gain à IA son bagage qui dépassait que le pas normal et pour ça donc c'est vraiment en pile information que nous gagnons mais n'a gagné certainement pour nous ouais avec invité nous yo tout à l'heure notamment cette belle lettre ce bel article que yon dame une travailleuse de la santé canadienne qui t'a travaillé au CAI qui a décrit conditions moun ap vive conditions l'hôpital la desservi moun li dit vraiment y aura rapatrié le pas hélicoptère parce que pas de gain route pour l'aller alors que y a des moun qui t'est brûlé par un bonbon gaz qui t'est prend route là mais qui ont ti moun mouri parce que t'es gen trop barricade pour le passer et puis l'a regardé comment ils sont privilégiés yo prennent un hélicoptère au Kay menen Port-au-Prince pour rapatrier et dans pays alors que ti moun sa ki li même malade pas de joindre chance pour évacuer l'a dit côté moun yo qui viennent prendre soin l'hôpital là c'est yo même l'hôpital là obligé faire payer gaz pour Delcoa parce que pas gen courant pas gen électricité d'amnan c'est un spectacle poignant et il dit c'est avec le cœur gros que j'ai été rapatrié hier de mon pays d'adoption des trois derniers mois soit un mois avant ma date de retour prévue. Je suis triste d'être parti aussi rapidement, certes, mais encore plus déchiré d'avoir laissé le pays dans l'état qu'il est actuellement. Ce qui me bouleverse surtout, c'est l'impuissance que j'ai ressentie par rapport à l'injustice dans le monde. On entend souvent parler d'inégalité et on prend trop souvent pour acquis les privilèges que l'on a qui aujourd'hui m'ont rendu profondément inconfortable. Cette fin de semaine, des grands brûlés victimes d'une explosion dans la ville où je me trouvais ont eu de la difficulté à joindre les soins nécessaires pour assurer leur survie, non seulement parce que le personnel de santé est insuffisant dans la plupart des établissements à l'échelle nationale, car l'État haïtien paie rarement ses employés, qu'il s'agisse de médecins, professeurs, policiers, etc., mais également parce que l'accès à l'eau potable, aux médicaments, à l'équipement est très limité et encore plus récemment avec la rareté du carburant. Puisque l'électricité en Haïti repose essentiellement sur la combustion d'essence, la pénurie qui secoue actuellement le pays oblige même les prestataires de soins de santé à faire payer le carburant aux patients avant même d'être soignés. Déjà que l'accès aux soins de santé, aux soins et services de santé était précaire pour la majorité de la population. Ajoutons à cela le fait que l'instance de production et de contrôle de l'électricité en Haïti, EDH, ne dessert plus la ville des Cayes depuis plus de 2 mois, laissant la population dans le blackout au quotidien. L'accès aux aliments, déjà extrêmement restreint, est encore plus difficile avec la hausse exponentielle du prix des denrées accentuée par la rareté du carburant. L'absurdité de la situation, c'est que pendant que plus de 6 millions d'Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté, moins de $2.41, et plus de 2,5 millions sous le seuil de la pauvreté extrême, $1.23, le président Jovenel Moïse continue de faire la sourde oreille après avoir participé au détournement de plus de $4.2 milliards en fonds publics prêtés avec un taux d'intérêt annuel de 1% par le Venezuela. Contrairement, Moïse est également opposé au régime de Maduro en tête de ce pays lors de la réunion de l'OEA. Le tout sans compter que les dirigeants des pays influents de le Canada sont complices de cette corruption en l'appuyant.
tristement les moyens de revendication actuellement utilisés pour dénoncer l'injustice, pillage de commerce, supermarchés, bureaux d'organisations nationales et internationales, voire même des hôpitaux, pour n'en citer que quelques-uns, affecteront ultimement davantage ces gens se trouvant déjà sous le seuil de la pauvreté pendant que les riches dirigeants du pays ainsi que leurs amis continueront de s'enrichir. C'est avec la contribution de plusieurs organisations et d'un effort collectif soutenu pour trouver de l'essence qu'on a pu mobiliser une ambulance pour conduire les blessés de l'explosion aux soins spécialisés de Port-au-Prince à plus de 4 heures de route des cailles. Tragiquement, un enfant parmi les victimes à bord de l'ambulance a succombé à ses blessures car le véhicule a été retenu dans les barricades paralysant la route vers la capitale depuis plusieurs semaines. Ironiquement, le 1er octobre 2019, on a rapidement fait venir un avion privé à l'aéroport Antoine Simon des Cailles pour me rapatrier avec d'autres collègues étrangers à l'aéroport de Port-au-Prince. Le tout en moins d'une heure, dans le but d'assurer notre sécurité. Savoir que ce même privilège aurait pu contribuer à sauver des vies me bouleverse sincèrement et me fait sentir injustement privilégié. Pourquoi ma sécurité voudrait-elle plus que la vie d'un enfant souffrant? Une fois de plus, je salue le courage des Haïtiennes et Haïtiens, un peuple des plus résilients que je connaisse. Je garde espoir de voir ce pays changer au cours des prochaines années. Le travail sera ardu, mais chacun de nous peut contribuer en cessant d'endosser la corruption dans les pays comme Haïti. Je vous invite à partager ce témoignage afin que les gens prennent conscience de ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque les médias n'osent pas même effleurer le sujet visible. Andréane Bégin, professionnelle de santé qui travaillait au CAI, en Canadienne qui est en Haïti, qui a dit Jovenel Moïse qui gaspillait tout l'argent pays ça, dans le Petro-Caribé, et puis c'est lui-même encore qui a voté contre le Venezuela, qui votait pour invasion faite Venezuela. Voilà, c'est vraiment un petit peu de tout ça et pour ne pas parler, mais malheureusement, pas gain assez temps, et pas gain assez temps pour ne pas parler de commission de passation que l'opposition fait, gain 7 membres là, donne toujours, y a mettre des femmes, t'es gain pile critique, mais dans ce maintenant, moi, carrément dit que commission ça, d'accord avec la 100%, j'en composé, hein. Et puis, moi, d'accord tout avec Toutouni, c'est Pascal Adrien avec Joshmi Jean-Baptiste qui dit CNN, New York Times, Washington Post, Miami Herald, Noé le journal Le Point de la France, Noé Le Devoir de Montréal, en pile l'autre et gros médias étrangers qui a parlé de crise ça qui prend dimension internationale. Et toutes dénoncer des ordres que pouvoir ça a fait. Sans oublier qu'il y a des mounes qui peut-être te prennent temps pour réagir. Noé, les francs-maçons qui sortent une note qui m'a des Jovenel quitter ça tout. Noé, Éric Jean-Baptiste, RDNP qui m'a des Jovenel quitter ça tout. Donc vraiment, en pile information que nous pas de gain pour gain ben en détail n'a pas l'observer pose là en espérant que invité au peut-être 3-4 déjà là déjà pour nous démarrer tout de suite émission ramassé matin hein. Nous souhaiter à tout le monde bonne écoute et encore une fois Étienne bonne fête et puis condoléances à notre ami et sœur Magella Ulysse qui a enterré papa en Haïti vendredi prochain à l'Arcaille.